de tous les mauvais oui ce soir. Petite lumière pour habiller le noir. Laisse-moi te chose que je peux te faire à mon toucher. Tu verras que Superman n'a pas de pouvoir. Salut, c'est l'ancien Lawel Yamo et Rugal, alias le plus grand escaladeur de l'escaladerie. Vous me suivez sur beaucoup de choses, vous me suivez déjà sur Twitter. Je ne sais pas ce que vous avez fait, pourquoi vous me poursuivez là-bas. Suivez-moi, courez derrière moi. Donc vous me suivez sur Sound Bled. Salut. Je suis ténor jeune, artiste de musique urbaine camerounaise, signé sur le label Universal Musique Africa. Je veux faire ressentir les courbes de ton corps. Je veux valoriser chacun de ces décors. Un peu doux, un peu fort, pour que tu sois d'accord. Mais dois agir un peu comme si Céline Dion chantait sur un son hardcore. J'ai fait pas mal de sons qui ont quand même fait pas mal de choses. De le Dab, Kabangondo, vous pouvez découvrir sur YouTube, ténor, Facebook, ténor officiel, Instagram, ténor officiel, Twitter, ténor officiel. Je laisse en t'arrêtant. Je te fais quitter la terre en restant en colétone. Faut pas que tu t'étonnes des touchés, j'en ai des tonnes. Gardez que je t'en veux, confirme que t'es la bien et la bonne. Laisse-moi t'explorer au millimètre. Bon, sur le côté professionnel de la chose, je pense que peut-être c'est quand on devient populaire, peut-être après son premier hit. Je suis au quat avec mes amis. On s'ennuie, on veut programmer. Ce soir on est dressé comme les lits du Dieu Gapalas. On a ciré nos poussémis. Mais bon, j'ai toujours continué de travailler, ne pas considérer ça comme quelque chose de professionnel directement, tu vois. Je préfère gravir des échelons, quoi. Ça paye jusqu'à la mort, papa Wembeda, Dolce Gabbana. Si tu nous aimes pas, on doit comme d'habiceps sur les yeux, on teigne pas, connard. Dehors, on fait monter l'adrénaline. Non, je pense que c'est juste que j'aime valoriser ma culture. Je pense que ça fait partir des combats de mon idéologie, de mon univers. Mais après, il y a des sons comme Bad Things, il y a des sons comme Double Dab qui m'ont même fait connaître, même des titres comme Nathalie. Tu fais du buzz, on l'y passe comme Nathalie. En vrai, ton way est sur internet, net comme Nathalie. Ça a forcément rien à voir. Après, comme c'est des titres qui sont assez populaires, les gens ils font vite la confusion, mais c'est juste l'un des combats de mon univers. Tu dis le contraire, t'es qu'une Nathalie. En plus, tu suces des petits zizi blancs, un peu comme Nathalie. Nathalie. Bon, pas vraiment. Moi, je suis pas dans le succès du titre, tu vois. Je suis dans le succès de mon public. L'histoire de l'imparfait. Ram 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 de Ramzi. Je veux bien faire plaisir à mon public, même si je leur sors un freestyle qui a un clip qui est très très moche, moi. Si mon public il est content, je suis content aussi. Enquaman, voilà Toto qui se lève le matin et part à l'école. Kounia, 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 il arrive à l'école. Kouamène d'habitude en retard. Enfin, donc je suis pas forcément dans le titre et les... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand on le met à genoux, au lieu de suivre le cours, il pense à jouer les feuillards. Pendant ce temps, le professeur lui, il donnait le cours. On apprenait à conjuguer les verbes à l'imparfait. Première personne. Je travaille sur mon album, je travaille beaucoup sur mon album parce que j'ai envie, on va dire que ce que j'ai envie de ramener, je doute fort que les gens puissent comprendre directement. Je suis même très sûr qu'ils ne vont pas comprendre directement. Parce que mon album, ce ne sera pas une raflure, ce sera un thème en fait. Ou un conseil à donner aux jeunes rappeurs qui rêvent de percer, il faut d'abord se rassurer que tu as le talent, après tu le développes, tu écoutes les conseils, tu te nourris de ton expérience, il faut être très intelligent, très sage et surtout il faut être son propre boss. Et c'est ce qui est le plus important. Le bon souvenir de ma carrière, c'est vrai que j'en ai énormément. On va dire depuis que j'ai vraiment commencé la musique, c'est quand j'ai rencontré Ramzi. On s'est rencontré dans le studio de Ghislain Laroche, mon grand frère, et puis on est allé dans un champ de canne à sucre qui... On avait très faim, malgré les attaches rouges qui signalaient. Si tu touches à ces cannes, tes doigts vont se transformer en canne à sucre aussi. On est quand même allé dans le champ, on a cassé les cannes, et puis l'amitié est née de là. On travaille jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà près de 10 ans. Trois artistes que j'invite chanter à mon anniversaire. Farinelli, Booba. Il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Et Ben Deka. Dans 10 ans, je serai vraiment... Je crois que dans 10 ans, les gens auraient compris cette partie de moi qu'ils n'ont pas encore découvert.
et je pense que ce sera un gros plus pour ma musique. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont apprécié et me suivent. Bon, je vous ai quand même trop dit merci, mais je vous dis encore merci beaucoup. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. Hello, mama. I'm too swag, I'm too swag. Rap camerounais. Et y pense. Intelligente. Célibataire. Diawadi. Tout et tout. La soirée cogitée. La famille. Villa Yandé. Tupac.